Bon, ben, bon matin tout le monde là. Donc j'ai fini ma coupure. Il est quelle heure là? Il est 7h04. Donc là, ben, je vais démarrer. Alors forcément, je commence à être dans les décalages horaires. Là, j'ai déjà perdu 1 heure. Donc bah, il fait encore noir quoi. Après, dès que je vais rentrer au Texas, je vais encore perdre 1 heure. Et après en Arizona. Donc en fait, je vais passer 3 fuseaux horaires là. Quand je serai en Californie, j'aurai 9 heures de décalage avec la France et 3 heures de décalage avec le Québec. Oh, donc bah, c'est bon là. Moi, je vais démarrer tranquille. Il est 7 heures. Alors l'avantage qu'il y a quand on commence à se décaler dans les heures comme ça, c'est que bah, quand on arrête le soir, forcément on a, comme là quand j'ai passé les décalages horaires, j'aurai 2 heures de décalage avec eux. Donc au soir quand je m'arrête, c'est plus facile pour trouver des places de parking. Déjà le week-end c'est facile, mais alors encore plus là, quand on a les décalages horaires quoi. Voilà. Bon bah allez, c'est reparti. Thank you.
Bon, salut tout le monde. Bon, j'espère que vous m'entendez bien malgré le vent là, mais bon, c'est une grande première pour moi là. Je vais m'arrêter de... Je suis au Texas à Amarillo là. Puis ben, je vais m'arrêter dans un restaurant, là, on appelle ça le Big Texan. Alors c'est là là. Donc bon, ça a l'air d'être un truc de fou là. Déjà rien que la décoration à l'extérieur. Hein. Là, il y a une vieille voiture de police. Voilà. Ah, il y a une superbe déco. Voilà, là, il y a des trucs, ben, c'est malheureux, moi je suis tout seul, hein, mais là j'aurais pu faire une photo. Moi je vais essayer de voir si je peux mettre mon trépied tout à l'heure et faire quand même une photo avec ça. Là. Et puis, bon, ben, là, la limousine avec les cornes de bison, de buffle ou je sais pas de quoi là-dessus. Voilà, l'entrée du Big Texan. Alors ça fait vraiment un truc de saloon, de cow-boy, là, c'est incroyable. Bon, j'ai essayé de faire une photo là, mais on verra bien ce que ça va donner. Mais là, la déco, même là, je vais vous montrer là-dedans là. Ici, c'est pas mal. Hein. C'est vraiment un truc de saloon là. C'est trop beau. Alors, il y a un truc de fou aussi, c'est les poignées pour ouvrir les portes. C'est trop génial. On peut même tirer. Ah, c'est trop marrant ça. Bon, bah, on va rentrer à l'intérieur, on va recommencer. Hein. Bon, bah voilà, on est en train de me conduire à ma table. Je vais être à la mezzaline. Ah, c'est trop beau la déco. Hein. Je vais déjà manger, puis après, je ferai un petit peu le tour là, pour vous faire voir un peu tout commencer. Bon, alors là, je suis arrivé à ma table, hein, là, c'est ma table. Donc, je suis en mezzaline. Alors la salle en bas là. Ah, puis alors ça sent bon. Hein. Donc ben, je vais regarder ce que je vais manger là. Ah, c'est super beau. Alors là, il y a une autre salle de restaurant visiblement là. Enfin, quand il y a peu de place. Des petites alcôves comme ça là. C'est super beau. Hein. Bon, je vais pas trop marcher parce que la femme elle est en train de faire le ménage là-bas. On a une autre vue. Hein. J'avais pas vu ça là-bas là, à l'entrée, pas mal beau. Je vais retourner à ma place, là, il y a des petites cow-boys derrière moi. Un beau cadre là. Bon, j'ai retourné à ma place et j'ai regardé le menu. Bon, j'avoue que j'ai un peu de mal à choisir parce qu'il y a beaucoup beaucoup de choses là. Je vais prendre des photos du menu là, puis je le mettrai. Sauf si vous avez envie de faire une pause sur image et lire un peu tout ce qu'il y a là. Vous pouvez regarder le menu comme ça. Bon, forcément, il y a des. Alors, moi, je suis un peu difficile. Hein. Je veux pas qu'il y ait du gras. Alors là, je vois qu'il y a des Big Texan steak, là, tout ça. Mais j'ai peur qu'il y aurait du gras. J'essaye de voir si je vois des hamburgers ou je sais pas quoi, là. Mais moi, j'ai du mal à choisir pour l'instant. Bon, ben, je viens de prendre ma commande. Comme j'avais un peu de mal à choisir, je savais pas quoi prendre. J'ai pris une valeur sûre. J'ai pris un hamburger. Et puis un Sprite. Le gobelet là, je le trouve plutôt beau là. Un beau petit gobelet avec du Sprite dedans là, il est plutôt beau là. Bon, maintenant je vais attendre mon hamburger puis je vais voir si je me régale. Alors ici le Big Texan là, il est réputé parce qu'en fait il y a un espèce de défi à relever là. On le voit là, il est écrit là, alors je vais vous faire lire là. Donc si vous mangez un steak de 72 oz, alors je sais pas à combien ça correspond. En grammes quoi. Alors là, le record a été fait apparemment en 4 minutes 18. Donc en réalité, il y a le steak plus l'accompagnement, les légumes et tout ça. Et en fait, vous avez une heure pour le manger. Et si jamais vous mangez tout, ils ne font pas payer le restaurant, ils ne font pas payer le repas quoi. Puis vous rentrez dans leur livre des records. Donc si vous décidez de tenter le record, là, ben, en fait, il y a une table là-bas qui se trouve au milieu, là, juste ici. Là, je vais essayer de montrer qu'on doit. Là, vous êtes à cette table-là, vous entamez à essayer de battre le record de tout manger. Quoi. 72 oz, là, j'ai même pas d'idée à quoi ça correspond en kilogrammes ou en grammes, tout simplement, je sais pas. Bon, alors, on vient de m'en donner deux morceaux de pain là. Il est encore chaud. Je vais goûter leur pain là pour voir si c'est bon avec du beurre. Alors même l'emballage il est beau, c'est en forme de tache comme il y a sur les vaches. Là. Et belle aussi la serviette. J'aimerais bien ne pas la salir. Alors, on va goûter ça. Il y a du beurre. Bon, moi j'aime bien le beurre en plus. C'est un bon morceau. Ah, il est moelleux, il est tout chaud le pain là. Ouais, c'est bizarre, on dirait une brioche
une brioche sucrée. Du coup, ça se mange pas avec de la viande, ça. Pas grave, je vais la manger tout de suite. Si j'y étais un peu fort, là, j'ai mis un beurre complet pour un seul morceau de pain. Manger le deuxième morceau. C'est super bon. Hein. Je me régale. Hein. Ça fait un peu du pain brioché, mais ça avec un petit déjeuner, là, avec un bon café. Là. J'ai reçu mon plat. Alors malheureusement, vous n'allez pas sentir les odeurs, mais ça sent super bon. Donc bah voilà, bah, j'ai pris un hamburger. Alors il y a les frites, il y a tous les... En fait, il est tout déstructuré. C'est à moi à mettre ce que je veux dedans, j'ai l'impression. Donc bah, je vais goûter ça, mais en tout cas... La viande là, elle sent super bonne là, je pense que je vais me régaler. Ah, les frites elles sont bonnes. Hein. Bon allez, je vais attaquer ça. On va commencer. Alors je pense que ça c'est la moutarde. Elle est pas très bonne cette moutarde là, ça c'est de la mayonnaise. Ça ce machin là je crois que ça pique. Je vais écouter pour voir un bout là, mais prendre un petit bout. Couper le beurre qu'il y a dessus là. Oh ouais, c'est... je pense que c'est des trucs mexicains là, je crois que ça pique, ça rase ça. Oh oui. Oula, ouais, ça pique. Oh là là, à peine mis dans la bouche. Oh mais ça pique. Alors, est-ce que je mets... En fait, il est déstructuré, ça à moi à remettre. Oh là là, ça pique. Enfin, ça, je vais pas en manger. Mettre du cornichon, la rondelle de tomate, les oignons et le pain. Voilà. Bon ben voilà, je vais goûter ça, on va voir ce que ça donne. Les frites, elles sont bonnes. Bon allez, j'attaque. Bon, j'ai pas mis la salade, hein, de toute façon... On va voir si c'est aussi bon que ça sent bon. Ça fait quand même déjà un gros hamburger, hein, bien épais. Vraiment bon. On dirait qu'il a été cuit au barbecue, mais je pense là-bas, je vois le grill. Là. Tout à l'heure, j'allais vous faire voir un peu en bas, j'allais filmer en bas. Donc là, je me régale. Donc, je vais manger, puis on reprend la vidéo après. Bon, je vous dis pas, le hamburger, il me paraissait petit, là, mais j'ai bien du mal à le finir. Le steak, là, il y a deux steaks dedans, en fait. Mais alors, le goût, il est super bon, là, c'est incroyable. Mais bon, je vais aller jusqu'au bout. Pourtant, j'ai pas décidé de faire le record du monde, mais là, vraiment, c'est quand même énorme. Alors là, en bas, là, il y a des gens qui mangent, là. Puis apparemment, bah, il y a un monsieur qui vient leur chanter la musique, là. Trop cool, là. Moi, je peux pas trop laisser parce que si jamais c'est une musique connue, YouTube ils vont encore m'embêter avec ça. Donc là, bah, j'ai bien mangé, j'ai tout mangé l'hamburger, mais j'ai pas mangé les frites parce que j'en pouvais plus. C'était quand même assez gros. Puis je trouve que j'en ai pas eu pour cher, j'en ai eu pour 21,35 $ américains. Là. Donc ça va, c'est raisonnable parce que vu le panorama, le cadre, là, je trouve que c'est plutôt pas mal. Bon, bah, on va reprendre une petite promenade là. Et puis là, apparemment, ils ont mis Woody. Il y a Woody dans le tipi là, c'est trop cool. Là, c'est sympa la déco. Bon alors là on va aller voir la table des records d'un peu plus près là. Donc là voilà là, cette fameuse table là. Alors apparemment j'ai l'impression qu'il y a quand même des concours parce que je vois qu'il y a 6 places et là il y a 6 compteurs. Donc 60 minutes. Ils ont une heure pour manger leur steak de 75 oz là. Puis là bon, on a toutes les cuisines là. Il faut carrément manger devant vous là. Enfin, moi en tout cas je me suis régalé. Avec ma viande, c'était trop bon. Bon ben voilà, du coup je vais reprendre ma route là. Je suis pas arrivé, hein, je dois quand même aller jusqu'en Californie. Alors, tout le staff, hein, c'est des cow-boys. Hein. C'est trop génial. On va aller au Far West. Alors là ici à l'extérieur, j'ai dit que ça devait être un ancien endroit où peut-être que même l'été, je pense qu'ils doivent faire genre des spectacles. Là. Il y a comme une petite scène, c'est sympa. Bon, il y a une vieille diligence. Bon, il y a une armée de bancs devant, bien entendu. Là, une guitare géante, c'est trop cool. Cet endroit ici est pas mal. Alors là, il y a un rocking chair géant. Je vais m'asseoir dedans. Oh, oh punaise. Voilà, bien installé là. Ah ben, il est énorme. Trop génial ça. Ouais, ce petit endroit là, il est... Ouais, c'est bizarre. On dirait que ben, c'est des trucs qui servent de décoration puis ils viennent entreposer ici, j'ai l'impression. Alors ici, il y a un passage qui est un peu étrange là parce que... Par exemple, si on prend la photo de la petite fille, là, puis qu'on se décale un peu, voilà, il y a tous les cadres qui sont comme ça. Là. Le monsieur, là, quand vous vous décalez, ben, là, les deux femmes, ben, si je me décale, on va voir apparaître. Là, il y a un fantôme qui apparaît entre les deux. Là. Et là, c'est trop bien fait, là, les trucs. Ah là, c'est vraiment bien fait. Putain, moi, mais je travaille ici, là. Le soir, je passe pas là. Hein. Ça, c'est sûr et certain.
Elle a fait vraiment étrange là. C'est fou. Et lui là. Ah, ça fait peur, hein. Ah là là, c'est vraiment bien fait, hein. Ah, moi, si je travaille ici, la nuit, je passe pas là tout seul. Ça, c'est sûr et certain. Ça fait trop peur. Bon, maintenant, on arrive au niveau du bar, là. Bon, c'est un beau bar, hein. C'est vraiment beau, le coin, là. C'est plutôt sympa comme endroit. Voilà. Et là-bas, dans le fond, ah, ben, c'est des miroirs. Je croyais que ça continuait là-bas, dans le fond. Mais non, c'est des miroirs. Voilà. Le bar là. Bon alors là c'est une décoration un peu plus glauque. C'est carrément le gars il est sur la chaise électrique quoi. Ça fait un peu glauque quand même. C'est bizarre ce truc là. Help me out! The Golden Feathers office! These Texans are crazy about fried food! And I'm at the top of their menu! Alors, on sait pas ce qu'il raconte, mais. Bon ben voilà, j'espère que la visite vous a plu. Hein, c'était plutôt cool, j'ai bien mangé. Hein, voilà, la déco elle est plutôt sympa, je trouve. Là, il y a comme un cercueil. Là. Alors, c'est embêtant parce qu'il y a un peu de la musique là. Et puis, ben, du coup, je sais pas si YouTube ils m'ont accepté ma vidéo, s'ils entendent un peu trop de musique. Là. Donc, ben, moi, je vais ressortir, je vais aller retrouver le camion. Là, il y a comme un magasin de souvenirs là, mais bon, pour aller faire un tour là-dedans, j'ai pas l'intention d'acheter un souvenir. Voilà, il y a ça un moment j'avais envie de m'arrêter ici, là, puis ben voilà, c'est fait. Maintenant, c'est reparti. Ouais, la déco, ben, c'est vraiment sympa quand même. Voilà. Puis en plus, il fait beau là. Voilà. Bon, le parking est derrière là. Bon, j'ai un collègue qui a dormi ici la dernière fois. Ben normalement, j'avais prévu de venir dormir ici, mais comme j'ai perdu du temps là. Je me suis dit, je vais quand même m'arrêter manger là parce que là je vis à Los Angeles, mais après je sais pas où je recharge. Alors pour le peu qu'ils m'envoient recharger un peu sur le nord là vers San Francisco, du coup c'est pas du tout la même route pour revenir quoi. Donc là j'ai dit bon tant pis, je vais quand même m'arrêter manger là, on ne sait jamais, au moins c'est fait. Donc bah moi je suis garé là, il y a plein de monde qui est arrivé. Tout à l'heure, quand j'ai été garé, il n'y avait personne à côté de moi. Là. Bon, alors, il fait super beau. Hein, là, vous avez vu dans la vidéo, là, avant, de la pluie et tout. Là, j'ai un peu les boules. J'ai eu pas mal de pluie, là. Et ce matin, quand je me suis levé, il faisait 22 degrés. Là, j'ai mis le short et tout. Puis après, ben, il pleuvait. Alors, bon, voilà, le type épère, il est là. Et puis, ben, on va reprendre la route. Turn right.
Turn right. Salut tout le monde. Bon ben là je me suis arrêté un peu plus tôt que prévu là parce que ben en fait je suis à Albuquerque là et puis ben, l'autoroute qui va vers Los Angeles elle est fermée là. Je vais vous faire voir d'abord sur sur mon téléphone là. Donc ben moi je suis ici à le point bleu là Albuquerque. Puis là ben si je zoome là on voit que l'autoroute ici c'est rouge, là, c'est tout fermé. Donc eux, leur, la proposition qu'ils ont, eux, c'est de bah, descendre là par la 25, aller rattraper la 10. Et puis, bon, j'attends que les je sais pas si ça, ouais. Alors eux, ils me proposent de descendre ici et de reprendre la 10 pour remonter jusqu'à Los Angeles. Alors que moi, bon, bah, je dois aller tout droit là. Donc, bah, j'ai dit de toute façon, pour une heure qui me restait à faire... bah autant que je m'arrête ici et puis je repartirai demain matin. Demain matin je vérifierai, là, j'espère que ça sera fini. Mais bon ça fait chier quand même. Donc voilà. Donc là bah, je suis à Albuquerque et j'ai dû payer le parking. Donc bah j'ai accroché là le ticket, comme vous voyez j'ai payé le parking, j'ai payé 19$. Donc, parce que quand, je comprends pas, on est samedi, mais bon, si l'autoroute est fermée, je pense que tout le monde a décidé de s'arrêter là aussi, quoi. Je sais pas si on va pouvoir voir, là, je vais voir s'il y a moyen de zoomer, là. Mais bon, ouais, bah, là, bon, on voit un peu, là, tout Albuquerque, là, c'est, tout ça, là, c'est, bon, bah, ici, les bâtiments qu'on voit juste devant, ça doit être une partie d'Albuquerque, mais dans le fond, là, bon, on voit les bâtiments d'Albuquerque. Voilà. Donc ben moi je suis garé là quoi. Donc là ben, je suis sur des emplacements payants. Mais bon là j'ai pas trop le choix parce que de toute façon je vais pas continuer plus loin s'il n'y a pas moyen de trouver de la place après pour se garer. Bon ben, là moi j'ai payé, j'étais sûr d'avoir une place. Et puis ben, maintenant je vais aller prendre ma douche. Après ben. Je vais m'installer là, regarder ma série. Voilà, le parking est assez grand pourtant, hein, mais bon, il est plein là, de tous les côtés. Là. Et, bah, à l'endroit où il reste des places, c'est ici, aux places réservées. Là. Bon, voilà. Bon, des fois, ce qui peut arriver, là, ça m'est même déjà arrivé, moi, c'est de... Bah, trouver une place réservée, de me garer, puis en fait ils me disent bah non, toutes les places ont été réservées. Est-ce qu'on peut réserver hein, par téléphone, je sais pas comment ils font les mecs, ou par mail, j'en sais rien là. Donc ça m'est déjà arrivé moi de me garer, puis qu'on me dise bah non, c'est pas, y a plus de place, donc j'ai été obligé de repartir. C'est pour ça que quand je suis arrivé là, je me suis vite dépêché d'aller au truck stop, parce que je voyais plein de camions arriver, il suffit que les gars ils réservent en ligne ou je sais pas comment là. Au moins je me suis dépêché, puis j'ai eu une place. Oula. Bon allez, je vais aller dans le camion. Non, moi, la hantise que j'ai maintenant, là, c'est que, en fin de compte, ben, voilà, il reste une place à côté de lui. Là. Alors lui, il s'est mis là, normalement, il n'y a pas le droit d'être garé là. Et bon, je pense qu'il va bouger de toute façon. Et le prochain qui va vouloir prendre la place, là, bon, il y a la place, hein, il y a moyen de manœuvrer, mais... j'espère que lui va bientôt s'en aller. Et puis là, je vais aller prendre ma douche. Alors, tout le long de ma douche, je vais me demander est-ce qu'il n'y en a pas en train de manœuvrer. Bon, on verra bien. Bon, bah, c'est parfait. Il y en a un qui est venu se garer à côté de moi avec un pick-up. Et il m'a dit qu'il dormait là. Donc, bah, comme ça, maintenant, je suis tranquille. Je vais pouvoir aller prendre ma douche et me coucher tranquille. Et puis ben moi, je vous dis ben à demain pour le départ. Ciao.